Bonjour, bonjour. Alors, où est passée la scène? Ah bah ouais, parce qu'un point 7, point 10, ça a pas marché. On va redire. On va le redescendre, lui. Ouais, on peut même le descendre un peu plus. Poup, voilà. Bonjour. Enfin, lui, quand je dis on va le redescendre, lui. Salut Pandino Quentin. Donc bonjour, on est le jeudi soir, c'est le live tranquillou du jeudi soir. Le projet Amiens dans Minecraft. Excusez-moi du retard. Pop, 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 pop. Et salut Doberman. Hop. Chouf. Donc on est. C'est notre deuxième session. Hop, faut que je passe en. Sur le cimetière pop, 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 de la Madeleine. Il y a des bâtiments qui ont été ajoutés dans le générique. Le générique est assez ancien. Il date de l'anniversaire. Oui, il doit dater des 1 an. Donc, il en manque un dans le générique. Alors là, on voit pas tout. Il est assez grand, hein, entre 17 et 18 hectares. Donc, oh là, j'ai fait un loupé par ici. Je suis venu un peu bosser sur tout le tour. Donc, tout le mur de briques du tour est fait. Mais j'ai fait du intempestif World Edit. Et salut Darkmin. Ouais, c'est une grande ville, Amiens. Ouais, c'est dans les... Amiens plus son agglomération, c'est... Ça doit dépasser les 200 000 habitants, ça. Alors, hop, on va prendre le brush. Brush cylindre, on va mettre de la terre avec de l'herbe. On va prendre une broche de 2, hauteur 1, et on va faire un masque 0. C'est pas forcément utile, mais hop, hop. Et on va remplir... Hop. Ouais, c'est pas trop mal comme ça. Un peu réparé. Voilà. Les dégâts qui avaient été faits. C'est du bâtage, j'arrive. Que des coins comme ça, on les casse. Hein. Toujours. Ouais, ça le fait. Bah, des petites crottes comme ça là. Ouh, c'est quoi ça? Là, on arrive en fin de map. Hein. Ça, c'est la fin de map. Ouais, ça, c'est bizarre d'ailleurs. Qui est ce mur? Y était le dernier coup? Bah, y était forcément, remarque. Hein. J'avais pas dû le voir. Et salut Arena Opener. Donc tout le mur de briques. Ah bah du coup oui non c'est bon, j'avais réparé. Tout le mur de briques a été fait. A priori il y a une entrée là-bas. Et merci Arena pour le suivi. Bienvenue, bienvenue. Donc le projet, hein, pour ceux qui découvriraient, c'est de reconstituer la ville d'Amiens. Alors, ces bâtiments, ces endroits emblématiques principaux, dans Minecraft. Alors le centre-ville sera fait complètement. Il est en cours d'ailleurs, hein, Alors on est assez loin du centre-ville là. Hein. Ah oui, il est en cours, mais... Oui, j'ai pas... Ah, j'ai visiblement pas rechargé... Si, pourtant j'ai récupéré les... J'ai récupéré les mots-clés, les waypoints, mais j'ai pas rechargé le... Ah, j'ai dû effacer les... Toute la map. Bon, bah, pof, c'est fait. Salut Lynn. Ouais, Doberman, est-ce qu'on va faire les tombes? Ouais, il va en falloir en faire quelques-unes. C'est à l'échelle 1.
Donc, la statue qu'il y a par exemple sur la tombe de Jules Verne, qui est assez petite en fait, ça va vite tourner et ouais, ça va être moyen. On va finir un petit peu la côte là. Donc, ici je suis venu. Oh, c'est pas terrible ça. Revenu aplanir tout ce qu'il y a autour de la chapelle. Donc on va se prendre un broche cobblestone mais de 1 et en masque pas de masque. On se met comme ça et hop oh. Ah si, ça marche. Et on passe au milieu. On essaye d'aller le plus droit possible. Hop, là on se fait le virage. Toc toc, doucement. Et hop. Ça. Salut Gilles, ouais, tout va bien. Et salut Wildy Fraise. Alors, le bâtiment, il a quel. J'avais déjà été le chercher tout à l'heure. Triche un petit peu, hein. Donc c'est Google Earth. Blablabla. Hop, la ville d'Amiens. Le zénith. Donc on voit qu'on est assez loin du centre hein, quand même. Hein. Ce cimetière, il a été mis à l'écart. Donc il est là. Et là, on est en train de faire la chapelle. Hop. Donc il a tout un petit réseau de routes. Alors là, le problème de la vue 3D, c'est que quand c'est à l'ombre, je pense qu'il doit y avoir une route qui passe ici. Là, la route passe contre. Et il y a deux petits îlots de verdure pour à chaque fois devant. Donc on va se faire ça. Hop, je me le mets sur le côté. Donc, ici, on a donc la route qui repasse. Qui repasse devant là. Le truc de verdure, il va vraiment être court, quoi. Ici, c'est tout bétonné. Après, je changerai hein, de la cobble, c'est provisoire. Hein. Ici, hop, on a un petit passage. Là, c'est tout bétonné. Pop, 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 pop. Tap, tap, tap. Ouf, j'ai peut-être été un peu loin. Et de toute façon, ici, on a un passage. Bah là, je pense que ça va être bétonné aussi, hein. Vive le béton. C'est pas très très droit ça. Hein. Le bâtiment il fait 2-2-2. Donc, non, c'est un décalage de 2 à chaque fois, donc c'est normal que là ça soit du 2 aussi. Hein. Ça c'est pratique comme point de repère. Hop, tiens, bah alors. Oui, il y a de très beaux bâtiments, ouais. Déjà la cathédrale gothique. Alors c'est pas très très droit ça. Je suis pas très content.
Après, des trucs un peu plus modernes, musée de Picardie. Il y a surtout des endroits, les ortillonnages par exemple, hein, les marais. Ce sont des très beaux endroits, plus que des monuments. Après, il y a le cirque, bon, assez moderne, structure en métal réhabillée. Après, dans le très très moderne, enfin très très moderne, qui fait déjà vieillot maintenant, c'est la tour Perret, ce genre de choses, quoi. Mais bon, le truc en béton, c'est sûr que ça fait plutôt un petit peu moche. Côté de la cathédrale. Donc là, on peaufine un petit peu, hein. Il y a des trucs très moches aussi, ouais. Il y a des trucs très modernes. Comment ça s'appelle déjà? Petite salle de spectacle. Bon, là, on va l'agrandir, ça. Hop. Voilà, pof. En fait, je m'arrange pour que ça soit en face. Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. Ah, le beffroi aussi, ouais. Très, très torturé le beffroi, hein. Il a brûlé 4, 3 ou 4 fois. Donc il y a du mélange, ils ont reconstruit des choses. Exemple typique des différentes époques qui sont passées pour. Et chacune essayant d'imprimer sa patte. Alors, là, on peut élargir aussi, je pense. Hop. On peut repasser dans un sens, dans l'autre. Ça élargit bien les trucs. Et là, bah, faudra mettre un peu d'herbe, hein. Donc, on change le broche. On met du 2 en grande largeur. Et on se change le masque en passant sur un masque 0. T'as le point d'exclamation Amiens, sinon. Sinon, il y a la playlist sur YouTube, ouais. Point d'exclamation Amiens, c'est en fait un live festif qui se termine par un world tour. Et là, hop. Salut MacMoyum, salut C. Je récupère un peu la topographie du terrain du coup. Bon là c'est un coin avec des arbres en plus, alors on va pas trop s'embêter, hein. J'avais un masque sur ce truc-là. Masque. La laine, c'est 35. Les dalles, ça doit être 44 ou 43. Bon, 44, c'est la dalle. Le double dalle, ça doit être 43. 43. Le bloc d'acier, 41. Y a de la terre cuite, 159. Ah bah non, c'est pas 40. C'est 42 le bloc de fer. Ah bah ouais, 42. Oups. Hop, on fait un petit peu de nettoyage. Ah. Et là, il y a de la neige. La neige, ça doit être 80. Ouais, bingo.
Bah, bonne soirée, Darkmine. Et merci d'être passé. Bon. Alors, bon, pendant que j'y suis dans les routes, on va faire la descente, hein, puisque on a depuis l'entrée principale, ici, une route qui passe à gauche, une route qui passe à droite et qui vient rejoindre, bloop, le bâtiment, à droite ou à gauche, qui permet de passer aussi éventuellement derrière. Tout ça, hein, étant à la même hauteur, à 24 mètres d'élévation. On n'est pas au-dessus de la mer, hein. Donc, on va refaire ça là. Toc, toc, toc. On va reprendre le brush pop, 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 avec la gobblestone. Je pense qu'après. Et en masque. Pas de masque. Donc là. Hop. Oula. Petit virage. C'est pas un masque 1, ça. Vache. Ça va être lourd à tout démonter. Faudrait pouvoir faire des undo massifs. Il y a beaucoup d'arbres, ouais. Beaucoup, beaucoup d'arbres dans ce. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme. Ah ouais, j'ai mis deux. Deux en rayon. Deux, ça fait des gros trucs. Si on veut plus maîtriser la chose, faut partir sur du 1. Voilà. Comme ça. Et ici, pop, pop, pop. Voilà, comme ça quand même. Ici, on va écréter un petit peu. Et hop, on va changer de niveau ici. Ça va être impeccable. Alors de là-haut, ça fait comment? Ça fait pas trop mal. On pourrait presque le faire un peu plus tôt. Bah, comme on a fait là, en fait. Hein. Pop, pop, pop. Comment je peux faire? Un petit stack. Ça peut être très très chaud, ce genre de truc. Un stack 1, hop. Ouais, faut toujours se méfier un petit peu. Pop. Hop, et on va remettre du verre sur le côté là, parce que sinon ça va pas faire joli. Alors, le blop du 2. Pas de masque. Je crois qu'il n'y avait pas de masque. Ouais, nickel. Ah ouais, mais non, justement. Sinon, je vais tout écraser. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Donc, il faut un masque. Masque 0. Donc, remplacer que l'air. Sinon, je vais écraser ma cobblestone. Ça va pas le faire. Cochonnerie là. Ah ouais, là j'ai une route. J'ai un chemin qui part, bah, qui part dans le. Ah, c'est l'entrée des. Toc, 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 toc. Faut faire une pente qui soit pas trop trop dure quand même. Jusque là, pas plus. Eh ben, bonne soirée à toi, Gilles. Merci d'être passé. Hop. Pop, pop.
Voilà. Donc là, on va faire... Donc de là, il y a un bout de chemin qui part et qui va rejoindre ici. Donc on va le dessiner. Hop. On se prend brush cobblestone. Le masque. On va aller rechercher le masque d'enfer. On va lui rajouter 2. Hop. Donc on part d'ici et pop, 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 pop. On passe au milieu, toc 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 toc, et là on arrive là, et on va ici. Il te manque des carottes, McMoyum? Oh, ce sera un gros bug si, si elles se mettent à disparaître. C'est bizarre. On va pas le faire trop grand quand même, cette route. Après, va falloir tout se les dessiner les... Ouais, parce que là ça va faire bizarre. Ce qu'on va se faire. On va y arriver, on va y arriver. Don't panic. Faire un petit bosquet comme ça. Ça, tout ça, ben on le remplace par du vert. Donc toujours le masque, sauf le 2. Alors, le masque sur la pelle. Sauf le 2. Et on met en broche. Broche 2. Hop. Voilà. Donc il n'y a pas le 0 qui est dans le broche. Hop. Ouais, faut les compter, hein. Ouais, ouais. Faut pas se laisser faire, McMoyum, t'as raison. Partout où il y a de l'informatique, de toute façon, il y a possibilité de tricher. Hein. Hop. Tac. Sur le masque, on va rajouter 0. Hop, et... ça que je voulais faire. Hop, non, non, comme ça plutôt. Bon là c'est un gros sous-bois qu'il y a. Une zone très arborée. Alors après pour savoir où il y a des tombes. Alors j'ai des vieux plans, des plaines, hein, parce que chaque comment on peut dire, ce qui est séparé par les chemins là. Bon bah ici par exemple, ici, ici, là, ils appellent ça des plaines. Mais ils ont des militaires. Donc il y a des plaines, la plaine A, B, C, D, E, F, il y en a tout plein. Ah, c'est un coup de sorcière. Ouais. Pas étonnant. Pas étonnant. Bon bah c'est pas mal. Donc on va reprendre là où on en était resté le dernier coup, c'est-à-dire notre chapelle là. Toc toc toc. On n'a pas beaucoup de photos hein, de la chapelle. J'ai une photo quand même. Où est-ce que je l'ai mise? Poc. Ah, je suis pas parti dans le bon truc. Amiens, document, Madeleine. La Madeleine. Ta 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 ta. Ah ouais, ça y est, j'ai retrouvé. Hop. On avait trouvé une photo sur internet de la chapelle. Donc c'est quelque chose d'assez simple. Hein.
Il y a juste trois corps, et on le voit bien en photo satellite, avec un toit. Si on se met dessus, c'est presque du. Il n'y aurait pas les deux ailes sur le côté, un toit presque à quatre pentes en pyramide, avec le clocheton en haut. Je dis presque parce qu'en fait, on s'aperçoit que ici, c'est pas une pointe. Salut Jewan. Donc c'est. Hop. Allez, je mets ça par ici, je mets ça par là. Donc on va monter, par contre. Ouais, il est lisse. C'est un enduit qui est, c'est pas de la pierre de taille, mais bon. On a tellement peu de blocs. Hein, monsieur Mojang. On fait ce qu'on peut en vanilla. Donc j'avais compté dans les 8 mètres. Je crois bien que j'avais compté dans les 8 mètres de haut. Là on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va faire le dessin un peu en fil de fer pour voir le volume. C'est une technique facile à mettre en œuvre, ce qui permet de voir un peu quand on n'a pas les dimensions précises du bâtiment. Ça permet de. Donc c'est du 2-2. De voir un petit peu les proportions que ça va prendre. Donc là où la porte c'est au moins de. C'est facilement du 3 mètres, voire peut-être même plus. Mais il y a une espèce de petit fronton, alors faut pas. Probablement plus haut que ça ne l'est. Salut Yas XX. On dirait que les deux triangles s'imbriquent légèrement, dit Magmoyum. C'est. En fait, le retour du toit ici, donc la pente qui, s'il n'y avait pas s'il n'y avait pas le bâtiment à gauche et à droite, il y aurait un toit. Il y aurait une pente de toit. Et en fait, il doit y a juste y avoir 20 ou 30 cm juste au bord ici. On le voit mieux ici. Donc le toit, il est bien pentu. Mais comme il est tout petit, ça fait vu de haut comme si comme s'il y a un rentré, ouais. Donc là-haut, ça se termine forcément en pointe. Mais avec les effets d'ombre, ça fait bizarre, ouais. Je l'accorde. Hop. Alors, du coup, le 8 me paraît. Ouais, parce que là. Le bâtiment est bien imposant. Et si je me mets à peu près d'où est pris la photo, hein, dans ce style-là, je le mets à. Je le mets. Faut que j'efface le chat. S3D. Pop. Je remonte la photo un peu. Non, c'est peut-être pas mal, hein. Faut pas, peut-être pas plus, hein, parce que sinon après, je vais faire pareil avec le toit. Et on va voir tout de suite un peu comment en volume ça va faire. Salut Ran. Hop. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pareil, ils sont tous à la même hauteur. Hein. Ah ouais, le bord par contre, j'avais un peu. Ouais. Est-ce qu'on triche pour le bord? Est-ce qu'on fait tout en andésite poli? 7, 1, 6. En créatif, c'est pas un problème. Hein. Si on trouve ça moche. Tiens, on va faire un stack 6. Et au fait, c'est Halloween, il faut mettre une citrouille.
Faut mettre des citrouilles qui font peur. C'est à loin, c'est à loin. Hop, ça fait peur. Non, pas deux. Pas deux quand même. Donc faut faire peur aux visiteurs qui arrivent dans le cimetière. Faut que les... Puis faut mettre des bougies. Enfin, des torches, quoi. Normalement, c'est à l'intérieur qu'on met les torches, mais... Bon, là, on peut mettre des lumineuses, remarque. Celle-là, elle est percée de partout. Comment c'est, les lumineuses? Ah, bah, c'est des citrouilles lanternes. Fait un mix des deux. Bon, bah là, si ça met pas les pétoches. Salut Fire Phoenix. Ouais, la porte fait la moitié de la façade, ouais, à peu près. Donc là, si on a 3, il reste 3 au-dessus. C'est pas choquant. Et là, il faudrait se trouver une manière à faire un petit fronton. Un petit fronton. Alors, pop. On va se mettre un peu en hauteur comme ça. Hop, tac. Tac. Hop, alors on finit. Comme ça. Hop. Ah, vive les bâtiments de Traviole. Ça devrait. Là. Tac, tac. Ouais, Fire Phoenix demande ce que je fais. Donc là, je suis en train de faire la chapelle du cimetière de la Madeleine. Un cimetière assez connu dans Amiens. Enfin, à l'extérieur d'Amiens, hein. On est sur la route de Montières, je crois. Réputé parce qu'en fait, ça fait quasiment un parc. Sur l'espace, il fait entre 17 et 18 hectares. C'est un truc gigantesque. On peut s'y balader. D'ailleurs, il y a un gars sur Twitter qui m'a cité dans un de ses tweets. Il visitait le cimetière. Donc là, c'est plus un parc. Et il y a des tombes de gars connus. Bon, enfin, surtout un. Il y a Jules Verne, quoi. Jules Verne qui a écrit Madame Bovary, Le Rouge et le Noir. Les trois mousquetaires, les Charlots font l'Espagne. Non, je raconte des bêtises. Hein. Il a écrit Les 20 milieux sous les mers, Voyage au centre de la Terre, De la Terre à la Lune, Le Tour du monde en 80 jours, tatata, avec Jackie Chan. Et surtout Game of Thrones. Ouais, Bran, le Seigneur des Anneaux aussi. Il a tout écrit. Notre-Dame de Paris. Salut Oscar, merci pour le suivi. Hop. Alors si jamais il faut le relever, ça c'est pas perdu parce que ça sera fait avec un move et ça sera pas compliqué. Donc on a un peu la structure de notre bâtiment. Je me demande s'il faudrait pas le lever un peu, mais on verra quand il y aura le toit qui va être fait. Alors le toit en 2-2, ça va être pénible. C'est un toit en ardoise, donc on va prendre nos briques du Nether dont on a modifié la texture. Pop, 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 pop.
qui chante. Salut Corentin. Pop, pop, pop. Donc on va doubler. Doubler les trucs pour pouvoir poser. Après on cassera pour pouvoir remettre parce que sinon ça va pas faire joli. Mais au départ, alors c'est pas évident de faire l'arête. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va pas être évident de faire l'arête. Salut Fredo. Et Carcosa dit surtout n'oublions pas, il a écrit aussi des livres. C'est quoi un livre? C'était avant, c'était ce qu'il y avait avant Internet. Des couvertures reliées cuir. Oui, avec un beau dessin. Un beau dessin sur la couverture. Salut, salut Zo. Alors, je voudrais bien faire l'arête pour voir, pour visualiser en fait la hauteur du bâtiment. Le problème, c'est que ça va être compliqué l'arête là. Faudrait que je fasse un truc comme ça. Après, on a un deuxième étage. Et surtout, on va être là. Oh. Bon, je continue mes blocs de construction, mais. Faire un truc comme ça. Tout ça après ça sera remplacé par d'autres blocs. Hein. Ah c'est super joli les vieux livres. C'est d'ailleurs le livre électronique, il y a plein de gens qui n'arrivent pas à s'y faire. Ils n'arrivent pas à les lire. Parce que quand tu t'es habitué à avoir un livre, un vrai livre physiquement, dans la main, c'est pas du tout évident de passer au livre électronique. Alors là on est sur un truc comme ça. Je suis en train de me faire toute la toiture en fait hein. Parce que là par exemple voilà là on va commencer à en baver un peu. Bon ici on va avoir un truc comme ça tac et là on fait comment? Ah. Et oui ça marche pas. Alors la technique c'est ici de mettre un bloc. Commence à être habitué au bâtiment de Traviole, mais ouais, c'est vrai que dès que tu voyages, les bouquins reliés cuir, c'est un peu lourd. Si t'es limité en poids dans ta valise. Alors, hop, on a dit comme ça, et ici donc, ben, on peut pas, donc on mettra un bloc. Alors, on se retrouve où après? Ben là, on sera un cran en avant, hein, comme ça, ici. Trolling. Oula! Salut Aurélie! Ouh, l'hébergement avec 597 spectateurs. Gros bisous, Aurélie. Salut à toi et merci. Merci, merci et bienvenue aux spectateurs dorés. Donc c'est du Minecraft, c'est du créatif. On est en train de reconstituer la ville d'Amiens dans les Hauts-de-France, dans le nord. Oui, alors là, toc, 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 toc. Le problème, ça va être de se dire...
Donc je reconstitue un bâtiment en traviole dans le cimetière de la Madeleine, qui est un peu à l'extérieur d'Amiens. Et c'est la chapelle du cimetière. Donc c'est plus autant un cimetière qu'un parc, c'est un parc-cimetière où on peut se promener et où on peut trouver la tombe de Jules Verne. Donc qui n'a pas écrit Game of Thrones. Et salut Aril, merci pour le suivi. Salut à tous ceux qui arrivent. Salut Nortu, Lauer, Super Babu. Un Simity Park, ouais. On peut appeler ça comme ça, à la limite, hein, si on veut inventer des nouveaux mots. Alors là, si je suis comme ça. Donc j'essaye là pour l'instant. Je voulais faire ma construction en fil de fer, mais j'en bave. J'en bave, j'en bave, j'en bave. Alors vous savez quoi, je vais la finir. Ouais, parce que. En fait, l'arête, on peut pas dire clac 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 clac, on fait une ligne directe. Ouais, Giro, 20 000 lieues sous les mers. Le tour du monde en 80 jours. Alors, je la refais parce qu'elle est rigolote avec Jackie Chan. Jackie Chan était dans le roman original. Hein. Quoique, c'est pas un chinois, hein. C'est un anglais qui fait le tour du monde et son serviteur, c'est un français par contre. C'est pas un chinois. À l'époque, c'était un. Mille pieds sous les terres. Par contre, il y a voyage au centre de la terre. Attends. Il rentre sous terre en Islande. Il découvre des dinosaures. Attends. Et il ressort en Italie. Je crois bien, hein, si je dis pas de bêtises. Oh là, je vais avoir du mal. Donc ici, on doit être là. Il va être très très chaud ce toit. Et on n'est toujours pas arrivé à la fêtière. Parce que là, je vais être. Ouais, là, je vais être là, comme ça. Tac tac. Donc ici, mettons qu'on soit là. D'un autre côté. Non, sur la fêtière. La pente, elle est plus. Je pense que la pente est plus importante que 45 degrés. Mais ça va nous emmener trop loin. Hein. Et salut Super Mabu, merci d'être passé. Et reviens quand tu veux. Donc, j'ai pas cité les noms, mais je remercie tous les suivis, ceux qui viennent d'arriver. Alors sur le Wikipédia, à propos de tombes célèbres, il y a le gars, il dit il y a plein de gens célèbres qui sont enterrés. Et il cite les noms. Et là, bon, ça va faire ça. Alors on se place ici. Ah ouais, du coup la façade, on a bien fait de pas trop la remonter. Alors je vais effacer. F3D, je me mets un petit peu comme ça, je mène la photo. Ouais, la porte, il y a peut-être intérêt à la rehausser. Hein. Je connais pas grand monde à Amiens en fait. Bah, je suis parti depuis un moment quoi. Non mais c'est tout des vieux bourgeois, les familles plus ou moins célèbres. À part les gars qui ont qui ont le nom d'une rue. Bon, Jules Verne, on le connaît. Ouais, pas assez raide. Hein. Mais le problème, c'est que c'est déjà de traviole. Alors, si je fais l'histoire avec bloc. Bloc escalier, bloc escalier, bloc escalier. Ça double. Mine de rien, là j'ai quand même en hauteur, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça va nous faire un toit de 18. Donc, sans chisel, on peut rien faire.
C'est dommage que j'ai plus le... Pourquoi j'ai perdu le... J'ai perdu l'image. J'ai perdu l'image. Ah, le non, pas ça. De toute la ville. Vous voyez qu'il y a plein de choses de pas construites encore, hein. Mais on voit qu'il y a des choses qui ont été faites, hein. C'est le... Comment on va dire? Le 20e? 20e bâtiment? 20, entre 20 et 25 bâtiments qu'on a construits. Salut Clampin. Ça va bien qu'il faut passer en modé. Bah, il y a une variante de la map en modé, mais bon, celle en vanilla avance déjà pas vite, alors celle en modé, je te raconte pas, hein. Salut Caïbo. Plutôt Simon. Ouais, donc j'hésite à faire une pente plus raide, hein. Mais c'est vrai que vu d'ici, du coup le toit fait un peu écrasé. Mais bon, si on remonte un peu. Si on remonte un peu le toit, on va valider comme ça. Hop, hop. Donc on fait un stack 5. Hu, poup. Du côté gauche, on a une petite fenêtre. Ouais. Ah non, c'est pas une fenêtre, c'est une plaque. Oula, je pense que c'est une plaque. Les petites fenêtres sont sur le côté. Bon, le truc là, on va pas le faire, hein. C'est pas assez gros. Hop. Donc là, il faudrait qu'on fasse trois fenêtres. Avec des vitraux. Ben on va les faire ici. Elles sont assez hautes, hein. Alors, 3. Si on fait tous les deux, ça fait ça. Ouais, ça fait pas mal. Alors, des vitraux. Des vitraux à l'échelle 1. Ils sont amusants, hein, chez Mojang. Allez, on va mettre un mélange de bleu et de rouge. Bleu, rouge. Bleu, rouge et rouge, bleu. Allez, alors tout ça, tous les trucs de structure, on va bien entendu les dégager après, hein. Alors, on va monter par ici, on va faire la même chose ici. Je pense que on n'a pas de vue. De ce côté-là, et malheureusement, la vue satellite c'est pratique quand il n'y a pas d'arbre, mais c'est pratique sur la face qui est au soleil. Donc là, par exemple, la face qui est devant, la face qui est derrière et qui est à l'ombre, ou ben c'est un petit peu plus délicat pour voir les détails, hein. Ah vache. Allez, il y a un fronton ici. Et on a sur internet, on a trouvé qu'une seule photo valable. Pourquoi il veut pas tourner? Hop. Et c'est donc une photo de ce côté-là. La photo que je vous montre. Faire toute la France à l'échelle 1, oui. Bah, c'est un projet, mais qui s'étend sur plusieurs générations. Ou il faudrait que tous les Français y participent et chaque Français construit sa maison. Ça pourrait le faire. Là pour l'instant, c'est juste une ville. Alors on va faire pareil. Et poc. Est-ce qu'on n'a pas été trop loin là? Ouais, non, ça le fait. Allez, un petit coup de bleu, de rouge, de rouge. De bleu. Oui, c'est très symétrique. Après, à l'intérieur, pas forcément. J'ai trouvé un plan du truc. On trouve de tout sur Internet, hein.
C'est vraiment. Et donc tu t'aperçois qu'à l'intérieur c'est pas tant symétrique que ça. Parce que comme il y a l'aspect chapelle, ici il y avait la place pour un petit autel, et ils ont grignoté sur l'intérieur. Donc tout le reste est pas du tout symétrique quoi. Mais on voit les fenêtres, 1, 2, 3, une porte, 1, 2, 3. Tout ça est très très symétrique en effet. Plutôt que de faire toute la France, je pense que tu devrais refaire Amiens, mais en survie. Oui, on voit bien les fenêtres sur le plan, ouais. Alors le problème, c'est que ici, elles sont à quelle position? Parce que sur la photo, à un moment donné, je m'étais dit, il y a facilement de quoi faire deux étages ici. Mais est-ce qu'il y a deux étages? Il doit y avoir les fenêtres en bas. Est-ce qu'il y a des fenêtres en haut aussi? C'est pas évident, hein. C'est assez flou. Il faudra avoir les logiciels qu'ils ont comme à la télé. Où t'as un truc tout pixelisé là. Ça te pique les yeux, t'as les yeux qui pleurent. Ils appuient sur un bouton et pouf, ça devient net. Alors tu sais, les gens qui prennent des photos dans les cimetières, il y en a plein que l'on parle. Parce que. Bon, je le sais parce que j'ai fait un peu de généalogie. Et il y a les gens qui recensent toutes les tombes des cimetières. Et quoi de mieux qu'avec le numérique, tu prends un appareil photo et tu clac, 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 tu prends en photo chaque tombe. Et ben c'est super pratique. Bon, on va faire une autre idée, hein. On n'est pas non plus obligé. Si les gars du cimetière ils nous écoutent et qu'ils veulent un bâtiment qui soit pile poil comme le vrai, bah ils nous envoient des photos. Faudrait que je contacte la ville d'Amiens. Peut-être que j'aurai des. Alors, on va le faire comme s'il n'y a qu'un étage. Hein. Ah, par contre, si deux. Bah si deux. J'ai pas mis la porte. Quelque chose me dit que j'ai pas mis la porte au milieu. Attends, un, deux, deux. Ah oui, j'ai pas mis la porte au milieu. Ça sera mieux comme ça. Ah, j'ai mis 3. Oh, on va mettre 2-2. On va la mettre pile au milieu, la fenêtre. Allez, une grande fenêtre. Le plus marrant, ça va être reconstruire Amiens en se promenant dans Amiens avec le Minecraft Earth ou je sais pas quoi là. Ouais. Il faudra avoir une bonne interface. Alors, au niveau du toit, mais on verra ça tout à l'heure, ça serait bien de marquer, parce que là ça va faire un espèce de gloubi-bouga infâme d'escalier dans tous les sens, surtout avec le fait d'avoir le décalage de 2 sur 2. Donc ça serait pas mal de marquer l'arête. Ben un peu comme sur la photo, hein, ils ont fait un. Alors c'est pas un chéneau, c'est. On me l'a déjà dit, mais j'ai oublié. Là, qui doit être en zinc. Et ça serait bien de la marquer, au moins d'en marquer une, pour qu'on voie bien la différence de toiture. Alors que si tout est de la même couleur, là on va rien voir. Il y aura World Edit dans Minecrafters. Bah non, mais tu veux le faire en survie, hein? Toc toc. Le chéneau manquant. Hop, tac, tac. Stack 5 U. Là, du coup, il y avait une porte. Tiens, on va regarder le plan. Où je l'ai mûché, je plan.
Ah non, il n'y avait pas de porte. Mais il y avait l'air d'y avoir qu'une seule. Ah, ici, il y a une porte, probablement. Parce qu'on voit qu'il y a un petit pas de porte. Il y a. C'est même à se demander s'il n'y en a pas une par ici, mais alors la sortie, elle est bizarre. Hein. Oh vache. Il y a un escalier, donc il y a un étage. Hein. C'est quoi ça, une baignoire? Ça devait probablement être aussi la maison du gardien du cimetière. Bon. Mais ça, c'est un vieux plan. Hein. C'est tiré de. Tirer des archives. Où est-ce que j'ai mis la vue satellite? À force d'empiler les fenêtres. Parce que là, en fait, quand on est ici, on a du soleil. Il y a du soleil. Et je pense que à la place de la fenêtre, ils ont mis une porte. Non? Ça a l'air d'être une fausse fenêtre. À de côté, là, on voit qu'une seule. Ouais, ça fait comme si s'il y avait qu'une seule fenêtre, mais les reconstitutions de maisons dans Google Earth, je me méfie forcément. Les fonts baptismaux, ouais, c'est pas là, c'est un cimetière. Hein, alors pour les baptêmes. Alors, on va percer. Pip, pip, pop. Percer trois fenêtres. Là, on met une porte. Ah. Hop. J'ai peut-être été un peu loin là. Elles sont hautes les fenêtres, hein. Mais bon, c'est un vieux. C'est une vieille maison, hein. Alors, ici. Pip, pip. Fenêtres. Ouais. Comme c'est pair. C'est pas bien d'avoir fait un bâtiment pair. Hein. C'est pas bien. Hop. Bon, au niveau fenêtres, on va mettre nos textures trafiquées. Donc c'est du verre, hein, mais le texture pack est échangé. Donc là, bah, va falloir se caser un tuyau de porte. Hein. Ah, j'adore les portes de traviole. Bon, on va tricher. Hein. Enfin, on va tricher. Hop. On va se prendre des portes comme ça. Et puis au-dessus. Ah, on va les mettre derrière. On va refaire pareil de l'autre côté. Ah ouais là. Fatigué. Grand coup de fatigue là. Comment voulez-vous que je fasse des portes là? Bon, après il y a une solution. C'est dire on fait pas des vraies portes. On fait un truc comme ça, quoi. Et comme il y a un petit fronton, on peut s'amuser, on le voit hein, là le fronton.
Bon, on va pas le faire aussi. On peut s'amuser à faire un petit relief avec, avec des escaliers. Alors. Hop. Et ici, on vient refaire. Il ressort pas terrible. Alors après, on pourrait essayer de le faire. Bon, je suis en 1.12 toujours, hein. Je suis pas passé en 1.14. Parce que là, 1.14 en réseau. Bon, a priori, je vais le faire, mais donc je pourrais possibilité d'avoir changé de matière. Mais si on veut des escaliers, à essayer de les faire en stone ou en andésite. Les escaliers en andésite. Mais pour l'instant, on n'a pas le truc, hein. Donc c'est galère. Donc ça sera à revoir après. Ok. Bon, ben là, on avait fait notre place pour le petit hôtel. Alors, on aurait pu le surélever, le truc, hein. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire, hein. Hop, hop. Pas plus. Et le reste. Ah, il y avait une porte en fait là. Hein. Ah ouais, mais j'aurais dû mettre d'abord l'autre. Tac. Faire un petit sélection. Il reste quoi? 5. Tac, tac. Tac, tac. Hop. C'est quelle ville? C'est Amiens. Capitale de la Picardie. Région disparue. Région martyre. Tatatan. Petite ville au nord de Paris. Enfin, petite. C'est pas si petit que ça, hein. Bon, l'intérieur, de toute façon. On le fait pas. Hein. On n'ira pas plus loin que ça. Là, de toute façon, il n'y a pas de porte. Donc, c'est réglé. Bon, limite, on peut faire une porte. Alors, de l'intérieur, ça va pas faire joli. De l'extérieur, ça va pas faire terrible non plus. Au pire, on en met une autre là, mais. Ah ouais, mais un cochonnerie. Alors, pour lui faire croire que le truc est là, faire comme ça, et après on peut dégager. Alors, le coup, ça fait bizarre, quoi. D'autre côté, ça fait moche aussi, hein. Ouais, c'est le plus gros bâtiment du cimetière. Il y a pas d'autres bâtiments dans le cimetière, en fait, hein. Après, le reste, ça sera des arbres et des tombes. Donc, ça va être. Ça va être long à faire, mais on va tâcher d'aller vite quand même. Je me demande s'il n'y a pas. Ouais, parce que même à l'entrée là, il n'y a rien. Donc après, il y a des. Il y a des. Comment on peut appeler ça là? Les caveaux de famille. Il y en a des assez costauds. On trouve pas mal de photos sur internet. Sinon après c'est plus des tombes standards, mais ils sont cachés là dans la forêt vierge, donc on les voit pas du tout en vue satellite. Et bon, bah, là il y a des esplanades comme ça, il y a tout un espace avec des croix pour pendant la guerre Amiens s'est fait bombarder, il y a eu beaucoup de morts et il y a toute une plaine où c'est que des croix noires. Pour rappeler tous les gens qui sont morts pendant cette pendant ce bombardement. Malheureusement, bombardement américain. Ah bah, c'est peut-être là parce qu'il y a des côtés militaires.
Alors, il y a Mine Général. Ouais, mais c'est à l'extérieur. Il y avait un bâtiment. Ouais, mais c'est une grange, ce truc-là. Non, il y a pas de... Sinon, il n'y a pas d'autres... Il n'y a pas d'autres maisons. Ben, on les voit, on les devine un petit peu là, les petits monuments un peu ben, qu'on trouve dans les très vieux cimetières qui ressemblent un petit peu à des maisons quoi en fait. Y a des organiques sympas à faire. Ouais, mais faut pas à l'échelle 1 aussi. Ça va être dur de tout finir. Ouais, bah. Je pense qu'on va faire des gros copier-coller. Oh, j'aurais pu stacker ça. Donc là, ça, c'est pour. Ça va être difficile de faire ça autrement qu'à la mano. J'aurais pu directement le faire avec des briques puisqu'on s'en moque un peu de l'intérieur, on viendra pas y habiter. J'aurais pu le faire directement avec des briques du Nether, texture modifiée hein, pour justement qu'on voie pas ça en fait. On peut le faire après, remarque, hein. Grosse sélection, un brush, paf! Prends ça dans ta tronche. Même pas besoin de faire de sélection d'ailleurs, hein. Il suffit, hop. Donc, c'est du 112. Donc on fait un brush cylindre 112, alors large 10, 1, 1 de hauteur. On fait un masque 98, donc qui est la pierre taillée. Et pof, pof, pof. Ah, l'andésite n'a pas été pris. Ah, du coup, dégâts collatéraux, pardon. On va plutôt taper du coup par ici. Tac. Et ici, on va taper. Ah. Zut. C'est pas grave, c'est pas grave. Paf. C'est gentil, Nixou. Pas pour l'instant. Je pense qu'à un moment donné, la construction sera libérée. Mais pour l'instant, je veux bien contrôler ce qui se passe. On est un petit peu au tout début du truc. Donc, on travaille en tout petit comité. Mais c'est gentil de proposer. Donc. Deuxième rang, tac tac. Donc lui, il nous enquiquine. Mais après, on va reprendre les arêtes en les faisant avec bah, de la pierre taillée ou autre pour faire imitation zinc. Hop, là on le voit pas, c'est pas grave. Ouais, là ça va être chaud. Le 2-2, hein.
C'est pas du build facile, hein. L'échelle 1 en Minecraft Vanilla, c'est pas évident. Et comme on essaie de respecter donc l'inclinaison des bâtiments, c'est loin, loin, loin d'être évident. Alors la ville est inclinée pour que la cathédrale soit droite. Oula, il y a eu un petit défaut ici. Ouais, c'est bon. Aix-en-Provence. Ouais, c'est juste au sud. Donc après, on vient, hop, passer un bloc ici. Tac, 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 tac. Ce qui est dommage, c'est ça, on peut pas trop l'automatiser avec des commandes, quoi. Hop, hop. Si, si, il y avait besoin là. Tac, 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 tac. Je peux vous montrer vite fait la cathédrale. Je vais mettre un marqueur. Dans la liste de ce qui a été fait, le zoo, la hauteur. Là où toi, il n'y a pas eu grand-chose. Hein. L'école d'ingénieurs, la citadelle, le parc Saint-Pierre, le zénith, l'hôtel Dieu, c'est un petit truc en ruine, l'hippodrome, le beffroi, mégacité, donc le parc des expositions, l'hôtel de ville, la cathédrale, le TARDIS, le stade de la Licorne, stade de football, le Quai Bellu, logis du roi, la plus vieille maison d'Amiens. Le club nautique, le palais de justice, le musée de Picardie, la maison des ortillonnages, le pont Beauvillet, le cirque, la tour Perret, la maison Jules Verne, l'église Sainte-Anne, et puis des maisons amiénoises. Donc là, on va aller voir, on va aller voir, on va aller voir, on va aller voir la cathédrale. Hop, tadadam. Il y a tous les animaux hein, dans Amiens. Il manque des PNJ. Quoique des PNJ, on en avait mis ici. Hein. Donc autour de la cathédrale, grâce à Lynn, ça commence à se peupler en maisons. On a des maisons, donc ça fait un peu plus ville. Alors qu'au début, on avait juste bon, ben, le palais de justice, la cathédrale, un lycée, le logis du roi, l'hôtel de ville, Jbédouf qui est là-bas. Et c'était un peu tout. Maintenant, ça commence un petit peu à se remplir et à être agréable. Ça fait un peu plus de 2 ans. Mais bon, avant, avec Holycube et tout ça, j'ai marqué une petite pause. Hein. Donc, le projet n'a jamais été arrêté, mais il était un petit peu au ralenti. Hein. Donc ça commence à se peupler et c'est pas désagréable. Hein. Ça sera un parc. C'est le parc, bah, le parc de l'évêché. Je crois bien que c'est le parc de l'évêché. Avec un shader. Ouais, avec un shader. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le Chocapic. J'espère que je vais pas planter Minecraft. Avec les petits effets de brume en passant sur les toits comme ça. Ouais, c'est en pente de traviole, ouais. Ouf! Oh, c'est tapé un.
Ouais, c'est en pente comme ça, dans la cathédrale. Bon, puis après, il y a les zones où où il n'y a pas les maisons qui sont encore faites, quoi. C'est quoi cet endroit-là? Tous ces bestiaux, ils sont tombés, ils arrivent pas à remonter. Ils sont bêtes, hein. Ils sont vraiment bêtes, hein. Ah bah le v'là, je bédouf. Donc le beffroi. Avec l'hôtel de ville. Salut Axel, salut Judy, merci pour les suivis. Allez, option, j'enlève le shader hein, parce que pour builder, hop, et on retourne. Ah bah du coup, qu'on voit la petite zone hein, en fait. Zone assez petite qui a été faite et nous on va retourner hop ici. Elle c'est quasiment c'est plus grand que ce qui a été fait. Bon heureusement c'est beaucoup des arbres hein. Puis les bon les tombes ploc 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 ploc, ça va être du copie rapide hein, quoi. Alors dans le pour ceux qui connaîtraient pas le principe hein, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est construit, je demande des propositions aux gens en disant qu'est-ce que vous voulez qu'on construise? On fait un vote et ce qui gagne le vote est réalisé. Hop, hop. Donc là, c'était à la bagarre entre le cimetière de la Madeleine. Il y avait 5-6 choix. Et c'était la bagarre entre le cimetière de la Madeleine et le CHU, l'hôpital sud. Et c'est le cimetière qui a gagné. Pop, pop, pop. Bon. Ben on va continuer de monter. Alors j'ai surtout monté l'intérieur. Parce qu'en fait... Pop, 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 pop. Comment je vais... Le CHU a été bien 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 tordu, puis c'est des gros gros bâtiments un peu industriels, alors... Ouais, parce que en fait, normalement, donc le mur étant là, ouais, parce que si j'enlève ça, si on était comme ça, donc en se décalant de deux à chaque fois. Ici, on aurait dû mettre le mur ici. Hein. Le toit aurait dû être ici. Je pense. Hein. Donc ici, il aurait été... ici. C'est pour retrouver la continuité du truc. Et donc ici, il aurait été ici. Oh, ça aurait fait bizarre. Alors j'ai commencé il y a 2 ans et demi. Parce que là après nous on va venir se raccrocher ici. On va bien voir. On va bien voir. Bon ça je le garde à la limite. Mais ben là j'ai rien mis.
Le pire de bâtiment en 2 sur 2 que j'ai dû faire, oh, je vous le montre, c'est une église. Les gars, ils avaient repris les plans de la cathédrale et ils l'avaient fait en taille réduite, divisé par deux. C'est l'église Sainte-Anne. Elle est assez loin. Et au niveau angle, pareil, elle est décalée, hein. Il n'y a que la cathédrale qui est droite, du coup. Alors, la cathédrale, et il y a d'autres bâtiments. Le palais de justice, il est droit. L'hôtel de ville, il est décalé. Le musée de Picardie est droit. Il y a des choses qui sont droites, du coup, parce qu'ils sont dans le même alignement que la cathédrale. Donc, la base, c'était la cathédrale. Mais du coup, les autres, bah, ils se retrouvent un peu de traviole. Et ça, c'est aussi un bâtiment qui est en deux sur, en deux blocs, et à chaque fois, on décale. Donc, bah, à chaque fois, ça donne des trucs comme ça. Donc, pour les toitures, j'utilise toujours un peu la même technique. Donc, ça part droit. J'essaye pas de faire des trucs tarabiscotés. Par contre, au niveau de l'église, vous vous rendez bien compte qu'à l'échelle 1, avec le transept, ouï, aïe, 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 aïe. Ah, c'est comme le chantier des pyramides, on commence. Ah ben, il y en a qui ont été finis quand même, hein. Et après, quand ils se sont aperçus qu'ils pouvaient plus les construire, pop, pop, pop. Alors heureusement, il y avait des choses plus faciles. Un peu plus modernes, comme le cinéma près de la gare, et surtout la tour Perret. Ça, c'est le truc bien carré. Ça a été facile à construire la tour Perret, hein. Il n'a pas fallu 9 épisodes, hein. Parce que un des trucs les plus pénibles, ça a quand même été le non pas ça. Il est où? Le zénith. Vous le voyez en rouge sur la sur jaune et map. Hop, on se retourne. Attention, vous êtes prêts? La salle de spectacle. Oh, il y a une petite faute. Hop, voilà, c'est corrigé. Alors ça a été chaud à faire. Bon, 4 heures de boulot, hein, pour ces deux ellipses. Il y a une ellipse en bas, une ellipse en haut, et elles ont un angle, donc l'angle du, je sais pas comment on appelle ça, de l'axe le plus long, il est décalé, de l'ellipse du haut et l'ellipse du bas sont décalées de 50 degrés, et elles n'ont pas tout à fait la même taille, parce que oh, ça serait trop simple. Hein. Et entre les deux ellipses, donc dans la réalité, ils ont tendu une toile en PVC. Et ouais, c'est de la nature tente de reprendre. Et bon, bah, c'était de la folie. C'était de la folie. Allez, on revient. Pour, je vais m'amuser avec replay mode. Où il est le cimetière? Cimetière de la Madeleine. Hop. L'axe concentrique, tu crois que c'est comme ça que ça s'appelle? Hop. Bon. Du coup là, c'est ici, c'est comme ça. Mais ici, ça va être comme ça. Ouais, donc ça, tout ça, on va pas le voir en fait. Bonne nuit, Tarkover. Et merci pour le suivi. Tout, tout.
Hop. Donc là, c'est là où on va passer, on va basculer de l'autre côté en fait. Et en fait, on le fait automatiquement. Donc là, si on fait pareil que de l'autre côté, on aurait dû être ici. Donc là, ici. Donc là. On aurait limite dû être ici déjà en train de tourner en fait. Mais ici, on va être comme ça. On va bien voir. On va bien voir ce que ça va donner après coup. J'ai un petit doute, mais des fois on est agréablement surpris, on construit des trucs, on sait pas trop où ça va nous mener, on doute, et quand on revoit le résultat on dit ah bah j'ai bien fait de douter, c'est sympa. Hop. Alors des fois c'est moche et il faut le refaire, mais des fois on est agréablement surpris, on se dit je pensais pas que ça allait donner un truc... Donc là, par exemple, là c'est un poil tordu. Ça s'enfonce trop. Ça s'enfonce trop. Salut Agility. Non, pas Agility. Agitility. Bah là par exemple, ouais, on va faire comme ça. Tac. Ouais, on va faire comme ça. Pop, hop. Hop, allez, on bouche les trous. Toc, 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 toc. Là j'ai oublié un truc. Ah ouais, parce que c'est c'est le coin tordu là. Alors là c'est le cas typique où on aurait pu mettre en fait un bloc pour pas s'enquiquiner, ou surtout partir comme ça quoi. Et on a récupéré le morceau, et ici en fait on fait ça. Et hop, ça marche. Ah, il faut pas qu'on soit trop en avance par là, mais bon, c'est à l'arrière du bâtiment, personne n'ira voir et dire sur l'arrière du bâtiment il y a un petit dépassement de 50 cm. Non mais, allô quoi. Alors, hop. Et salut Gogo Chef. 3500. J'espère que c'est pas ton année de naissance. Hop, alors là. Les effets indésirables des escaliers Minecraft. Et paf, et là on va avoir le même problème en fait. Hein. Dans ces cas-là, bah on n'a pas le choix. Hein. On met un bloc. Ça se voit pas forcément énormément. Hein. C'est pour ça qu'on peut se... On peut se permettre. Pop. Tu viens pas du futur. Ouf. Ouais, ça peut être un code postal belge alors. Ouais, alors là, là ici, ça va être... Bah après, on retombe sur deux pieds. De toute façon, c'est du 2-2.
Donc après on est toujours en 2-2. Hop, hop. Et là on se décale. Alors là je voulais faire l'arête de toi, la marquer, mais ça va peut-être pas être pas forcément être utile. C'est pas, faut qu'on voie. Alors là, hop, on va faire comme ça. Tac. Et c'est bon. Donc on bouche les trous. Ici, on aurait pu le faire aussi, hein. Oh oh, alors ça devient compliqué. Pourquoi 3500? Tu nous intrigues. Donc là, c'est bon. Là, il y en a un trou. Hop, on peut repasser par ici. On est passé par ici. On repassera par là. Et là, on bouche. Bon, bah c'est tout bon, ça, c'est tout bon. Oh là, il y a c'est plein de trous ici. Tuc, pop. Pop. Quelqu'un comptait les hop. Ouais, aujourd'hui, ce soir, c'est les hop. On sera en modé, on pourrait faire de la bière. Hop, hop. On peut pas tout le temps faire des tac 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 pouf pouf. Ce sera toi qui sera posé là. Hop, hop, hop. Ah, j'aime pas ça. Ouais, on va faire comme ça. J'aime mieux comme ça, ouais. Hop. Bah là, on a toujours. Hop, 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 hop. Faire comme ça, mais ici on va avoir un problème. Pop, voilà. Ça va faire moche là. Après, il y a la possibilité de mettre une dalle. Ici, on se retrouve quand même avec un truc à 3-2 ou quoi. C'est ton nombre préféré. Ouais, cool. Ou alors, après, carrément, on l'ignore. Et on dit je t'ignore. Insignifiant, ou alors on met une dalle. Et là par exemple, du coup, vaut mieux rien mettre peut-être. Ah, quoique. Ah, bah là ça fait franchement. Là vaut mieux mettre quelque chose peut-être. Bon, 2 sur 2, c'est pas évident. Hein. C'est des situations qu'on retrouve à un endroit ouais, qui vont pas être évidentes. Oups, pardon. Allez, hop. Allez, on reprend les hop. Hop, hop. Oh non, c'était comme ça. Hop, hop. C'est quoi mon skin Minecraft? Ah, c'est... C'est le docteur. Hop. Et docteur masqué. Parce que Z. Comme le bordy masqué. Alors c'est le 10e docteur ou le 11e docteur, je sais plus. Du docteur qui? Qui? Pop, pop. Chercher un truc original.
Docteur Who, c'est original, non? Ouais, pareil. Puis là, du coup, après, ici, à chaque fois, on a un truc comme ça. Tac, tac. Ouais, c'est. On va dire que ça le fait. Bonne fin de soirée, Oran. Merci d'être passé. Un petit peu de pub pour Oran, tiens. Il se reconstruit une ville aussi, Oran, en survie. Alors c'est une ville imaginaire. Et n'hésitez pas à aller voir ses lives. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et c'est fait en survie. Alors c'est une ville moderne. Alors il manque des trucs, hein. Il a pas de salle de concert qui pétouille. Son aérodrome a pas de rond-point. Je plaisante, hein. Alors ici, on va être là, comme ça, tac. Ah ouais, alors là on devrait être ici. Je me suis un petit peu trompé ici. Et ici, ben on va être là. Voilà. Ouais, pas trop mal. Après, ça se regarde de loin. Il fait un stade de rugby énorme. Ah! Ah, c'est de la science-fiction. C'est les stades de foot qui sont énormes. Il est plaisante, bien sûr, hein. C'est de l'humour. Hop. Bon, on va y arriver à la fin de ce toit. Ce qu'il y a de bien, c'est que quand même avec un toit, vu qu'à chaque fois on réduit de 1, on sait que ça va pas être infini. On monte pas jusqu'à Perpète les Bains. Hein. Mais quand même. Arrivé à un certain moment, on se dit ouf, pourvu que ça se termine. Et normalement, vu qu'on réduit de 1, on réduit aussi la superficie du truc. Alors des fois, on doute un peu parce qu'on se dit je vais encore monter pendant combien de crans? A priori, 3, 1, 2, 3, et c'est fini, on sera sur la fêtière. Normalement, hein. J'espère que. Oups. Oula, et voilà, quand on fatigue un peu. En plus, c'est pas des couleurs faciles à viser. Bon, dans sa version rouge aussi, elle est pas facile à viser. Hein. Mais bon, là, ça s'arrange pas trop. Voilà, hop, on bouche les trous. Hop, 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 hop. Un double hop, 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 hop. Même quand on se trompe. Du coup, on arrive à recaser un hop. Plus quand on enlève. Donc, ouais, c'est triche. Bonne nuit, Clampin. Hop. Même quand je m'étends, je fais hop. Allez, hop. Non, faut arrêter avec les hop, là. Hop. On n'est pas loin de la fin. Oups, j'ai oublié de boucher un trou là, tiens. Je devrais y penser et le positionner tout de suite, ce truc, et il doit y en avoir un autre. Un autre où? Ici.
Ouais, parce que là on a de quoi placer, mais là on n'a rien pour placer. Si on met pas de petits. De petits trucs qui vont bien. Alors ici. Ouais, je l'ai fait comme ça. En fait, on aurait pu le réduire. Ouais. Parce que là, on aurait pu le mettre comme ça, en fait. On va voir. Hein. On va voir comment ça va faire. Ne déterrons pas le bonsaï de son pot. Connaissiez pas cette expression? C'est connu pourtant. Le gars, il invente des expressions hyper chelou quoi. Bon, ça va encore, remarque, le coup du bonsaï. Ça marche comment ici? C'est compliqué. On tourne autour à chaque fois. Comment ça marche? Non, j'aurais dû mettre un truc comme ça. Alors, ce qu'il y a, c'est que du coup, on n'a plus le décalage. Ouais, ça c'est pas bon parce que là, du coup, on se retrouve avec. On n'a plus le décalage 2 sur 2 parce qu'ici, on aurait dû être comme ça. Donc c'est pour ça que il faut se méfier. Et ici, à la limite, il vaut mieux caser un. Parce que si on fait ça sur des très grands toits, si on se fait avoir comme ça en oubliant de faire le décalage 2 sur 2 et en faisant un toit naturel, on a des formes qui sont plus normales. Moins je trouve. Parce qu'après, c'est quand même bien histoire de goût tout ça. Tac, tac, tac. Hop, c'est bon. Et là, on devrait plus être loin. Que si on fait l'inverse là, on est plus loin de la fêtière. Donc comme là on est là, il faut pas monter ici plus haut. Et il faut terminer comme ça en fait. Hein. Et tant pis, s'il y a des trous, eh ben on les bouche avec un bloc. Parce que la fêtière doit être lisse sur toute la longueur du bâtiment. Alors là, par contre, ah oui, mais il y a le clocher. Parce que au milieu coule une rivière. Où il est le. Ah, elle est là. Pop, 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 pop. Où es-tu, petite chapelle? Viens voir papa. Alors. Le toit du milieu, il est un poil plus haut. On le voit d'ailleurs sur la photo là. Il est un petit poil plus haut que l'autre. Donc c'est. Ça tombe bien. C'est tout légal. Salut Kiwi. Donc ça va le faire. On continue. Par contre, faut juste déterminer où il se trouve, quoi. Parce que là, ouais, là on est sur la fêtière, donc là on est sur l'autre bâtiment. On voit que les fêtières vont se toucher. Hop, ici on est comme ça, ici on est comme ça, nickel, tac, tac. En fait, à chaque fois il y en a deux qui se touchent et les autres qui se baladent.
Mais là, par exemple, le 3, c'est pas normal. Donc on va voir ça, mais ça ne me plaît pas. Ça risque de faire des trucs du coup tarabiscotés. Là c'est bon. Hop. Allez. Donc là on a notre faîtière. Tac, tac, tac. On va quand même boucher les trous. Et là on va faire encore un rang de plus pour celui du milieu, puis on ira mettre le clocheton. Clocheton toi-même. Salut Teloufoud. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Donc. Ouais, alors, c'était l'histoire de marquer l'arête avec. Mais ça va pas être évident. Parce que ça voudrait dire il faut employer un escalier différent. Mais vu de loin, ça va faire tout tordu. Donc vaut peut-être mieux rien faire. Peut-être mieux tout laisser en bleu. Et là, on monte encore un niveau. Donc toujours avec le décalage. Donc ici, on est là. Donc on a 3, 3. Ici, on est censé pouvoir faire comme ça. Ouais, mettons comme ça. Ici, on doit faire pareil. A priori. Maintenant, il aurait fallu faire comme ça. Oui, on dit que c'est bon. Alors, soit on monte encore un niveau. Ou soit on s'arrête là et mais on va peut-être monter encore un petit niveau. Toc 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 toc. Alors là c'est un peu plus serré. Toc toc. Ah, surtout que le clocheton, du coup on va avoir du mal à le caser. Enfin, avoir du mal à rentrer dedans, sauf si on rentre là. Éventuellement là. Mais ça va faire bizarroïde. Donc là, on va mettre le clocheton. Merci Kiwi. Alors, le petit clocheton. Il est peut-être. Il est peut-être plus gros qu'un mètre, mais. On n'a pas beaucoup le plus, ça va être difficile à caser. Et j'ai peur de faire un truc de 3 mètres, de 3 sur 3. Après, il mange bien tout le haut, hein. On va le tenter. On va le tenter à ce moment-là. On le fait ici. 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 Et on monte comme ça. Alors le haut, on a vu, il est d'une couleur différente. Il est un peu en bois. Enfin, il paraît un peu en bois. Puis après, derrière, il y a un petit... Il y a un toit à quatre pentes. Swartitz. Ouais, j'essaye de respecter les proportions et l'échelle 1 le plus possible. Ce qui n'est pas évident. Ah, surtout qu'il faudrait faire des trous là. Alors, est-ce qu'on peut se permettre? Je fais un test, hein. Oh, ça va faire bizarre. On voit que la pente du toit est pas bonne, hein.
C'est-à-dire que dans la réalité, il est plus pentu que ça. Mais ça fait moche, hein. Du coup, je sais pas quoi faire pour faire les trous. Ah, utiliser les trappes. Salut Eros. Ça dépasse un peu, ouais, ça... Bah, sinon, il faut que je fasse la base. Sinon, elle est épaisse, hein. Donc je fais la base plus grosse. Donc on fait bien du... on fait du 3 sur 3, quoi. Pof ! Le truc indigeste, quoi. Ça, c'est du clocheton à son pépère, hein. De la brique, te dit Simon. Après, vu de loin, ça m'étonne la brique à cause de l'arche, mais c'est de la charpente, c'est pour ça que je pense plus à quelque chose en bois, mais. Possible, hein. Plutôt de la cobble. Il y a aussi une... On n'a pas vu, mais il y a une cheminée, hein. Bon, après, il faut dire que c'est un crématorium, hein. Alors... Fait dépasser le... Je pense, hein, sinon... Merci Eros pour le suivi. Alors Nialex pourra visiter bientôt. Ça sera ouvert un peu à tout le monde. Bon, faudra s'inscrire quand même quelque part sur un Discord pour être whitelisté. Mais ça sera ouvert. Pour l'instant, c'est juste les abonnés qui peuvent venir faire un tour. Alors... Ouais. On voit pas du tout l'aspect pointu là. Chapeau pointu. Ah, tu me diras, c'est pas si pointu que ça, mais quand même un peu plus, quoi. On va essayer de faire ça mieux. Bientôt quand ça sera. Non, non, mais je sais qu'il y a des. On peut faire des voûtes avec des briques, hein. Ouais, il n'y a pas de souci. Non, c'est plus parce que là. Un petit clocheton. Je me dis que les gars se sont pas embêtés. Donc l'astuce pour rehausser un peu, c'est cube. Cube escalier. Sur les gros toits d'ailleurs, on peut se permettre de le faire. Elles sont où les trucs de... Ah, elles sont là. Alors attends, la photo a été prise d'ici. Peut-être un peu... Il est peut-être un peu gros le... Elle est où la photo ? Ah, il manque un peu de hauteur au toit. Et du coup, là, le clocher est un peu plus gros que la réalité.
Alors, ce qui aurait été bien, c'est de mettre un escalier en. Moi, bon, je suis toujours à 1.12, hein, donc j'ai pas beaucoup de choix. Ça serait en cobble ou escalier de cobble ou autre. Mais pour marquer l'arête. Mais je crains que comme mes escaliers ont une forme différente à chaque fois, et ça va pas vraiment faire la ligne. Ça, en fait, je pense que ça va pas faire joli. Ça aurait été un bâtiment droit, il n'y aurait pas eu de souci. Quoique, parce que ça, je l'ai déjà fait. Quand on fait quelque chose dans ce style-là. Donc on fait une arête comme ça. Au rang d'après, on recommence. Etc. Et ben là, sur une très longue truc, le fait que là, ici, ça fait quelque chose de gros, fin, gros, fin, gros, fin. Ça fait pas forcément joli. Alors là, le problème, c'est qu'un coup, on va avoir le problème où ça, ici, c'est bien de cette forme-là. Mais là, par exemple, c'est l'autre forme. Hein. Ça va être comme ça. Donc ça va être. Et ici, on retrouve cette forme-là. Ici, c'était comme ça. Et là, on se dit. Ça fait bizarre, quoi. Ouais, le clocher trop, mais si j'enlève ce truc-là, c'est le problème de Minecraft avec les toits. Si on fait pas les toits en bord à bord, ça fait moche. Et si on lui rajoute donc une corolle là, un toit débordant, et ben ça fait gros. Donc avec le clac 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 clac, ça fait pas droit. Ça, je suis pas super fan. Et on aurait pu le tenter sur un bâtiment droit parce que c'est régulier. C'est pas terrible, mais c'est régulier, ça passe. Mais là, sur un bâtiment comme ça, donc ça va rester comme ça. Tant pis, on a une masse un peu globalement noire. Pour tout le bâtiment. Après, c'est pas non plus un gros bâtiment hein, d'Amiens. Hop, 23h, bah, 23h03 quand même. Hein. Ce que je vais faire, c'est que. Alors, on va commencer des allées. Alors, j'ai repéré sur un site le plan des plaines. Plaine. Par exemple, la plaine A. Alors, c'est pas hyper détaillé. Hein. Enfin, on voit toutes les concessions. Hop, hop, elles sont là, le long. Il y a des arbres. Alors, ça date. L'Égyptien. Ça date un peu comme plan, mais ça, c'est des plaines. C'était les premières plaines. C'est pas forcément celles-là qui ont été très très remaniées. Donc la plaine A, c'est celle-là. On voit la forme hein, en espèce d'haricot allongé. Et une dalle à la place des escaliers autour du clocher. Ça change pas grand-chose sur l'épaisseur en fait. C'est un peu moins épais, mais. Et au niveau arbre, elle en est où la plaine A? Hop, un petit coup de R. La plaine A, c'est celle-là. Ah ouais, c'est un. Attends, c'est celle-là? Non, c'est celle-là. Ah vache. Oui, la plaine A, c'est celle-là. Donc maintenant il y a des arbres alors que sur leur plan là, bah ici il y avait juste des petites crottes là.
Hop, 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 hop. Maintenant, les petites crottes, elles ont grossi, quoi. Donc ça, c'est la plaine A, et on a la même chose après pour la plaine B, la plaine C, la plaine D. Et ça, c'est à chaque fois, ça peut être des petites maisons, des petits, enfin des petites maisons. Eh ben bon gros dodo, Fredo. Donc par exemple ici, on se retrouve ici, on va avoir des tombes petites, des tombes à l'abandon, parce que ça fait quand même assez forêt luxuriante. Et puis carrément le caveau de famille, le gros caveau de famille quoi. Faudrait que je retrouve Amiens. Ce qui est important, c'est pas forcément de recopier exactement comment c'est, parce qu'à l'échelle 1, on n'y arrivera pas, mais plus de capter l'atmosphère. Bah, par exemple, on va trouver voilà, ce genre de bâtiment un petit peu à l'abandon, donc avec des lianes, des trucs comme ça. Y a plein de ces choses-là. Et sinon, il y a les allées. Ah, c'est une petite photo. Comme ça là. Vous voyez. Mais ça à l'échelle 1 et de traviole, ça va pas du tout être facile. Hein. Mais c'est un peu dans cet esprit-là qu'il va falloir faire des tombes. Après, il y a du plus classique. Hein. Donc quand même des grilles en fer forgé. Et puis juste une plaque, un fronton. Alors la tombe de Jules Verne. Elle est un petit peu plus. Ce qu'on peut faire, c'est enterrer un armor stand. Bonne nuit, Ségine. Enterrer un armor stand avec un haut de plastron. C'est faisable, ça. Je crois qu'on l'a déjà fait. Hein. Alors après, t'as des trucs. Lolo. Il y a quand même des gens qui. C'est pas les pyramides d'Égypte, hein, mais. Après, t'as des trucs. Donc voilà un peu l'esprit. L'esprit du cimetière de la Madeleine. Bon, ben, on va se faire cette route-là. Donc la broche avec la cobble. On changera après. Hein, je fais tous les chemins en cobble. Après, on repassera un broche pour changer la cobble en autre chose. Soit de la terre battue. Si je retirais une couche de briques en dessous du bois du clocher. Ah. Je vois ce que tu veux dire. Les briques du Nether. Les briques bleues. Je vais... On va tricher, Malo. Bien sûr, on va tricher. La pose 1, on va mettre pose 2 ici. Donc c'est H pose 2. Non, c'est pas H. Pour avoir la position du joueur en automatique, j'ai pas envie de retaper. Je suis en moins 825. Moins 826 même, 82, 26. Et il faut mettre des virgules en plus. Pop. Et là, ça marchera pas. Et là, on se fait un petit move à tone. Poup. Oh,
Ouais, ça va être. Web. Ah oui, il faut que j'élimine ça aussi. Bah, je vais commencer par éliminer ça. Donc, on va se faire un broche. Pop. 2. Et on va le masquer la cobble. Ça, on l'élimine. Qu'il y a un problème entre les. Ça, c'est les routes dessinées par l'IGN. Et ça, c'est celle du cadastre. Et celles du cadastre me paraissent plus réalistes, plus réelles. Même si elles sont anciennes, c'est le cadastre. Et je pense pas que pour. Elles ont pas forcément été mises à jour pour le cimetière. Déjà, pour les particuliers, des fois, il y a des soucis alors. Hop, il y en a un là-bas. Parce que là, c'était un peu droit quand même. Et puis dans le cadastre, par exemple, il n'y avait pas la deuxième entrée. Bah, bisous, Lynn. Et merci pour la modération. Bon courage pour demain. 23h12, on est encore ensemble une petite demi-heure. Donc je vais faire un chemin, on va commencer quelques tombes. Et puis après, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être faites. Enfin, je vais essayer d'en faire hors live. Hein. Donc, de la cobble. Masque. Il faut un masque parce que sinon je vais déborder comme ça descend. Donc il va falloir mettre 2. Il va falloir mettre les cochonneries là. Donc 35, 159, 42, 43. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? De la laine. 80. Non, la neige. 80 ou 81? C'est pas 80 parce que 80 ça aurait été Somme, ça m'aurait rappelé un truc. T'as des parcelles de 1 ou 2 mètres carrés en plein milieu qui traînent là où les propriétaires ne peuvent accéder. Ouais. Donc on suit le chemin. Pop. On refera un autre passage après, hein, vous inquiétez pas. Hop, on repasse dans l'autre sens. Donc là, c'est un peu large. Hop. On élargit et après on remonte. Ça par exemple on peut l'enlever. Hein. Ah, j'ai pas mis 3 dans le masque. Pouf, voilà. Pas que ça soit trop gros quand même parce que c'est pas hyper gros le truc. Hein. Il n'y a pas 98.
Après, je sais pas. Normal... Ah, un aussi. Normalement, c'est toujours des concessions, c'est pas à vie dans les cimetières. Je sais pas comment ils font là pour se débrouiller. Lui, c'est. Ah, 42, on devrait l'avoir. Mais c'est parce que je suis pas dans le. Ouais. Parce que quand ils ont des petites maisons construites comme ça en dur, vache. Et salut Jim Fox, merci pour le suivi. Hop. On va suivre ici. C'est toujours un petit peu long de tracer les chemins, mais bon. Avec la brosse, avec World Edit, ça va, c'est pas encore trop. Pousse-toi la vache. Y a pas de mais, y a pas de meux qui tiennent. Hop. Allez, on est parti par là. Ouais, je crois que oui, il y avait des concessions à vie. Bah, je pense que là, pour ces gros bâtiments-là, c'est des espèces de monuments. Enfin, je m'imagine voir mal les gens dire, oh ben, voir tu payes plus de la démonte. Après, comme ça fait un peu le l'aspect tourisme, hop, dans le cimetière, c'est ça qui attire les gens. Faut faire gaffe quoi. Là, on passe plusieurs fois et ça finit par faire une route qui tient la route. C'est le cas de le dire. Hop. Après, il faudra juste enlever les bavures quoi. Donc on va repasser en bas. Comme ça, on aura fait toute la plaine A. Alors là, dans le temps du temps du cadastre, il devait y avoir une sortie ici. A priori, cette sortie a disparu, mais. Allez, hop, on est parti. Descente à chaque fois. J'y étais, je m'y suis baladé une fois dans ce. Alors, j'avais aucun plan, rien, j'avais pas fait gaffe, j'ai pas réussi à trouver la tombe de Jules Verne. La honte. Et bon, maintenant, elle est indiquée, mais dans le temps, c'était pas du tout le cas. Il n'y a plus de place. Ouais. Mais en fait, déjà, l'ancien cimetière, il allait jusqu'à cette route là au-dessus. Ben, on voit les chemins du cadastre. Au-dessus, on n'a pas le cadastre, ils sont pas venus faire les chemins. Donc au-dessus, c'est le nouveau cimetière. Et on le voit bien au niveau de la. On le voit bien au niveau du plan. Là, il y a les grandes plaines et autres, et sur les parties extérieures, elles sont chargées. Donc ça, c'est les parties les plus modernes et où on voit les tombes. Ça fait vraiment cimetière classique ici, dans cet endroit-là. C'est le cimetière originel avec les choses dont je vous ai montré les photos tout à l'heure. C'est dans les zones qui sont boisées et là, visiblement, les plaines, bah, ils comptent pas les remplir. Donc c'est pour ça qu'ils disent que le cimetière est plein.
Alors. Ça, je l'enlèverai après hein, parce que au début j'avais décalqué le cadastre un petit peu à l'emporte-pièce. Ça, on va les enlever. Ben, on va se faire un masque. Donc on va se faire un brush 0 avec le masque. Donc on enlève pas la terre, on enlève pas l'herbe. A priori c'est bon. Pap. Donc là, ah j'ai pas la. C'est 80 la neige. Bon, mais comme la Somme. Je me suis trompé. Je pensais que c'était 81. Mais non. Ah, zut. Pop, pop, hop. Palpatroc. 81. Hop. Tout ça, on supprime. Ouais, ça. C'est bon. Ouais, du coup, il y aura des trucs qu'il faudra revoir. Pop pop, bah, ça on enlève. On refera les arrondis, hein. Ah, pareil pour ces trucs là. Cochonnerie. Et salut Xod, merci pour le suivi et bienvenue sur ma petite chaîne. Hop hop hop. Hop. Voilà, bah ça on l'enlève. Hop. Ouais. Du coup, ici il vaudrait mieux remplacer par. Hop. Donc ici, il vaudrait mieux remplacer avec un broche 2. Quoique. Ça aurait peut-être presque pu être ça plutôt. Hop. Hop. Ça le fait. Hop, hop. Oula, qu'est-ce que je suis en train de faire? Slash U. Hop. J'ai pris l'outil de voxel et pas l'outil de. Je
Là, il veut quand? Alors, il y a le programme qui doit être en dessous. C'est demain 14h30. Alors, c'est le petit live détente du vendredi. Ça sera pas du Minecraft, ça sera du X-Plane, c'est de la simulation de vol. Et sinon, le prochain live, ça sera de Minecraft, ça sera samedi à 17h. Et là, ça sera de la survie. Ça sera Minecraft à travers les siècles. Hop, hop. Petit serveur tranquillou, on se construit. Alors, on est au 15e siècle, puisqu'on se balade à travers les siècles. On est au 15e siècle et on se construit une ville du 15e siècle en France et puis la cité interdite en Chine. Tranquillou. Bon, bah là, on le referme. Ouais, là ça fait. Du coup, des fois ça fait des trous. Hein. Mais c'est les descentes avec le brush, c'est pas forcément facile. Hein. Pour le coup, demain, ça sera vraiment live détente. On se refait pas le défi Tour de Paris, là, la folie. On se fait un live pépère, on se reprend notre bon vieux DC3. Ah, hâte de voir la nouvelle déco de J1. Bon, j'ai déjà vu en vrai, mais... de vous la montrer. Ouais, je vais faire un... Faut que je regarde un petit peu comment sont faits les patterns, parce qu'il y en a beaucoup, c'est des chemins... Il y en a, c'est du macadam, et il y en a d'autres, c'est où il y aura un brush gravier, terre tassée, enfin un brush. C'est pour l'instant tout en cobble, comme ça après on peut faire tout ce qu'on veut. Ça c'est pratique. Après avec les histoires de broches, on joue vraiment avec tout ce qu'on veut quoi. Là pour l'instant, par contre, hop hop. Ça on peut le faire comme ça. Hein. Oui là. Mais là il faudra remonter par là après. Pas mal. Ça se resserre un peu par là. Oui, oui, il a été... Il est tout bon, le DC3, prêt au service. Bon, donc on va aller se faire... Ah, il y a encore quelques petites... Ah, zut. Hop. Ah oui, ça creuse ce truc.
c'est terrible cette flèche là. Je connais pas bien Voxel. Les consignes. En cas de problème, c'est sauf qui peut. Sauf qui peut. Bon. Alors, on va essayer de se faire... Donc, on n'a pas les moyens de savoir précisément où sont les concessions, où sont les monuments et autres. Il y a même... il faudra que je demande à quelqu'un qui connaît où se trouve précisément la tombe de Jules Verne. A priori, elle est quelque part par ici, je crois. Mais j'en sais pas plus. Moi-même, je sais pas où elle est. Je crois qu'elle est quelque part par ici. Donc, il faudra que je demande à me le faire confirmer. Donc, on essaiera de la faire au moins avec des panneaux en disant elle est là. Pour les autres, on va faire à notre idée. En plus, on n'a même pas la voiture, la Google Car, elle est pas passée de temps, quoi. Elle est à l'angle des deux... Elle est à l'angle de deux chemins. Ça serait celui-là ? Ça serait ici ? Que j'ai cru voir hein, en recoupant les infos, ça serait dans ce coin-là, parce qu'en fait elle est contre l'ancien mur de l'ancien cimetière. Ah, et je vous disais, le nouveau après il a été étendu sur les hauteurs là, il a été repoussé. Après c'était pas bien compliqué hein, puisque au-dessus il y avait rien en fait. Hein. C'est même de la... Bon, je sais pas ce qu'ils y faisaient. C'est une ancienne décharge. Donc je me demande si... Mais là on le verra pas. Si elle est pas dans ce coin là. Sur Google Maps c'est écrit... Je me demande si c'est pas là que je l'avais vu. Mais c'est pas hyper précis quoi. Alors c'est vrai que... Du coup, ça la fout peut-être un petit peu mal. Bon, allez, on va se faire un premier petit... on va se lancer. Il nous reste un quart d'heure. Sur Maps, c'est une icône. Ah, ok. On va se lancer. On va se faire un premier petit bâtiment classique. Donc, pierre taillée. On va péter la pierre taillée. Imaginons, le gars, il veut se faire un petit... Donc souvent, ils avaient en plus des petites grilles. Hein. Donc après, il faudra montrer un peu le truc. Je vais peut-être l'éloigner, du coup. Parce que... qu'ils aient de la place. Donc un tout petit pour l'instant. Donc... Ah mais si je le fais en impair, je vais avoir du mal à faire le truc pointu. Chapeau pointu. Parce que je voulais faire un petit fronton. Et pour faire un fronton. Tant pis. Ouf. Hop. De toute façon, on lui refait une grille comme ça. Hein. Pop, pop. À l'intérieur, il y a encore en plus à nouveau une nouvelle grille, bien sûr. Et donc, derrière. Truc pour accueillir et puis éventuellement derrière des dalles hein. Des petites dalounettes
Ça peut même être comme ça d'ailleurs. Et salut, salut Simon. Merci d'être passé et à bientôt. Nous, on va se quitter dans une dizaine de petites minutes. C'est dommage qu'on n'ait pas de... de porte en... comme ça. Alors, j'aimerais bien que ça soit sombre. Ah ben, pour que ça soit sombre, on peut peut-être se rajouter de la laine noire. De la laine noire dans le fond. Non? Ouais. Alors éventuellement, après on peut s'en faire d'autres, hein. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a ce truc-là, on fait poc. Pas même prendre en fait. Ici, dans le sol, faire un expand 1, 2, 3, 4, 5. Expand 5 vers le haut. Hop. Je me mets au coin. Je fais un copy. Et puis un petit peu plus haut, par contre, hein, pour pas qu'il soit côte-côte. Je me mets là. Allez, un petit paste. Hop. Et hop. Et puis on peut faire des petites variantes en disant je voudrais de la pierre. À cet endroit-là, on va mettre un peu de pierre comme ça. Un truc dans ce style. Éventuellement, puisque maintenant on a de la moussue. Et qu'il a l'air d'y avoir pas mal de moussue. Voire de la craquelée, ce genre de choses. On peut même en plus faire un petit rotate 180 et puis bah, se pointer là. Et hop. Peu de craquelée. Salut Vinsky, merci pour le suivi. Comme ça, on s'en met à quelques endroits. On peut même encore faire un pop, un rotate 90, et du coup, on peut même venir se le mettre ici. Ah bah zut alors. Bon bah on se le met là, hein. Moi je suis pas comme ça, hein. Bon puis on mettra des arbres, de la frondaison et autres. Donc on va pas s'embêter, hein. On va le truc est vaste. Par contre à côté, on va s'en faire un différent. Ah, ou en face. Et on va essayer de se faire le gars qui se l'a pété là avec son truc c'est chelou, hein. Hop. Alors pareil, il y a un fronton. Et il y a carrément une petite coupole. Faut de la place pour ce truc là. Vous voyez qu'on peut le mettre là? Comment on peut faire ce truc-là? Déjà, déterminer un petit peu la... Alors, il y a deux trucs comme ça. Derrière, pop. Et là, bah, on va se faire le fronton, une petite coupole. Tac, tac, tac. Un truc carré.
bien voir moi cette tronche là. Hein. Alors, par contre, après, faut changer un peu de. Oh, du granit poli, ça pétouille ça. On fait une petite base en granit poli. Je fais n'importe quoi. Hein. Pop, pop. On récupère après. C'est histoire que ça soit pas hyper monotone quoi. Après le fronton, on va surtout le faire sur 3. Ah ouais, mais pareil, comment je vais faire pour faire un fronton Et juste derrière, paf, la coupole. Je l'ai fait trop grand. Ah, je l'ai fait de 6. Ça ne va pas cette affaire là. Oh bah dans les cimetières c'est énorme les trucs hein. Les gars qui ont du pognon ils s'en kikinent pas hein. C'est ce je m'inspire de ça. Donc 5 mètres sur 5 mètres ça me paraît pas. On va quand même faire comme ça tiens. Et puis bah là-haut coupole. Donc tac tac. On va mettre comme, un truc comme ça. Tac tac tac. Ah bah vivement qu'on ait les murets. Oh, je vais quand même passer en 1,14 sans trop traîner. On fait un petit truc comme ça. Salut Kiwi, bonne nuit. Une mini, je peux faire une mini cathédrale hein, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Hein. Qu'est-ce que ça fait si on fait un truc dans ce style-là? Parce qu'une coupole, en 3 sur 3, ça va pas être évident. Hein. Ça c'est de la petite échelle. Hein. Donc on va faire ça et puis là-haut une petite dalounette. On va s'arrêter. Terrible, terrible. Bon là, il faut monter quelque chose là. Enfin, de toute façon, c'est moche. Hein. Là, je dois dire que ce que j'ai fait, c'est particulièrement moche. Deux petites enclumes. Hop, des enclumes endommagées en plus. Hein. Et puis... c'est le granit qui va pas. Ça ressemble pas. Non. Non, non, ça ressemble pas, mais. Échelle 1, hein. Qu'est-ce que ça fait si on fait. Ah, ça va tout attacher. Ah, c'est dommage. Temple Maya, ouais. C'est immonde. Et d'un autre côté, après, le truc sur lequel j'ai pompé... Alors attends, je vais le mettre ici. Hop. Bon, le truc que j'ai pompé est immonde aussi, hein.
On est d'accord. Et ça a l'air. Vous avez vu, il y a des arches derrière. Ah, ça doit être. Non, non, mais c'est immense, ça du. Non, mais on est d'accord que ça ressemble à rien. Il y a de l'idée, faut le retravailler un petit peu. Bon, ça. Puis faut rajouter du moussu. Il faut rajouter du relief dans ce truc. Donc des trucs dans ce style-là. Peut-être. Que ça soit trop morne quoi. Donc faut pas hésiter à mettre un peu de relief, hein. Peut-être même peut-être voilà un truc comme ça. Hop. C'est vrai que ça fait un peu temps Maya. C'est vrai que non point tu dis le prix ça a dû coûter un pognon de dingue ce truc. Après, on peut faire n'importe quoi, hein. Un truc dans ce style-là. On peut refaire des arches complètes. L'arrière, on s'en moque un peu. Façon après, ça va être noyé dans les arbres et dans les. On le verra plus. C'est vraiment. C'est ces trucs-là qui font bizarre. Ça fait comme des yeux. Le truc, ça fait des yeux, un nez, une bouche, ça te regarde. C'est monstrueux. Ah, c'est horrible, c'est horrible. Bon, enfin, vous voyez le principe. Hein. Après, quand il y en aura tout plein, le reste, je vais quand même faire des trucs standards dans ce style-là. Ou des choses avec des plaques, des trucs comme ça, voilà. On va rester un peu plus. Ce truc-là, il a l'air réputé parce que. On le voit plusieurs fois en photo. Hein. Ouais, bah c'est ce machin-là. Ou il faut pas hésiter et faire carrément un truc beaucoup plus gros en fait. Faut pas faire du 5 sur 5, faut faire du un truc style 9 sur 9 ou Non, bah un truc avec une coupole en 9 sur 9, c'est faisable. Ouais, je ferai un truc comme ça. Ouais, faut pas essayer de le refaire à l'échelle, en fait, faut. Le gars, il envoie du pâté, donc faut envoyer du pâté, faut faire un truc comac. Puis c'est tout. Tac, tac. Bah Jules, faut identifier déjà où il est. Et ça tombe, elle est en échelle 1, ça tombe, elle est chaude quoi.
C'est juste un carré avec bon une pierre derrière. J'ai les petits angles. Et il y a une statue d'un Gus qui traverse la tombe là. Hop, Jules il se barre. Ouh, super Jules. Donc pas du tout évidente à. Je sais pas si vous la voyez bien. Pas évident à refaire. Hein. Elle est assez petite en fait, sa tombe. Hein. Donc, on verra. On essaiera de la faire quand même. Je pense que ça va finir en armor stand. Et la tête à Z. Voilà. Parce que je le vaux bien. Bon, ben donc, on va se laisser là pour ce soir. Ouais, je pense que je vais faire un truc comme ça, parce que ça ressemble bien en plus le type qui est à moitié sorti de la tombe. Avec un piston, on doit pouvoir pousser l'armor stand dans un bloc. On va pouvoir le glitcher. Donc je ferai des essais, puis on se fera un truc comme ça. Donc ça a bien avancé, il va y avoir encore pas mal de boulot, mais ouais ça je vais le refaire, mais carrément en plus gros. Pouf. Le truc qui envoie du steak 9 sur 9, et puis une belle petite coupole. Surtout la coupole qui est jolie en fait. Après le reste. Ça je le reprendrai peut-être pour aller le planquer quelque part, on sait pas trop où, ce qu'il est fait. Hein. On va pas le jeter, hein. C'est plutôt moche quand même. Donc il y a encore pas mal de taf. Puis après mettre des herbes, des arbres, beaucoup de trucs comme ça. Les tombes plus traditionnelles, ça sera plus facile. Hein, ça va être des alignements, là ça va aller assez vite. On va pas s'enquiquiner. Donc ça va être relativement rapide. Bon, eh ben là-dessus, je vais vous souhaiter une bonne nuit. On se retrouve donc demain, 14h30, pour le petit live. J'essaierai même peut-être d'être là un petit peu avant pour présenter le plan de vol et autres. Parce que le vol est assez long en fait, hein, mine de rien. Et après, il faut que je file. Donc, faut pas que je traîne. Donc, 14h30. Peut-être un petit chouï avant pour le vol détente du vendredi, le live détente du vendredi, le petit vol en simulation de vol avec X-Plane 11 en DC-3 en Amérique du Sud. On se fait un tour du monde et on se retrouve samedi 17h pour du maths Minecraft à travers les siècles. On verra ce qu'on fait. J'avais commencé une petite archerie, donc je vous montrerai ça. Et puis sinon, je pense qu'il faut qu'on bosse sur la cité interdite de Pékin. Donc il y aura peut-être du mixte. On verra. On verra, on verra, on verra. Et puis sinon, après, on se retrouve lundi. C'est le week-end, on se retrouve lundi. Lundi, ça sera du maths. Et ainsi de suite. Voilà, y voilou. Enfin, normalement, hein, s'il n'y a pas de changement, mais s'il y a des changements, vous serez prévenus sur le Discord. Je vais remercier les modérateurs. Ceux qui sont encore là, qui sont pas partis se coucher. Remerciez les donateurs, vous remerciez vous les spectateurs, des gros bisous. Et puis à la prochaine. Allez, salut!